Dans une brillante intervention vidéo, un père de famille accuse publiquement le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso d'avoir tué et vendu le cadavre de son fils. Une réalité que bon nombre de Congolais ignorent. Pourtant, l'activiste Roland Lévy-Mitou l'a plusieurs fois signalé dans ses vidéos. Trois jours, l'enfant qui était arrêté dans un Ganda amené à Poto-Poto, enregistré le 23, on le même courant parce que je l'ai vu, le 24, je l'ai vu dans le même courant, le 25, ils ont pris l'enfant, tué l'enfant. Chose curieuse, bête, triste, je connais le commissaire avec sa trafic d'influence. Monsieur, nous avons reçu des conseils ici. Quand on trouve un préfet, l'enfant était tiré en pleine action, mais il était enregistré. Je ne sais pas si je peux comprendre. C'est le commissaire qui fait la déclaration. Non, on l'a trouvé sous l'action. On a tiré sur lui à 3h du matin. Le corps a été déposé à 23h. Donc, quand on trouve quelqu'un à 3h du matin, on tue. Et il est enregistré dans leur main courante. Chose triste et curieuse. On évolue. Après, il fallait consulter le professeur Okiemi pour l'enterrement de l'enfant. On arrive à la mort. Le corps avait disparu. Avec une déclaration faite à monsieur. Il est de la mort. Là. Non, le corps a été confondu selon les indigents. Pour l'enfant n'a jamais été enregistré. Regardez l'escroc des Congolais. Monsieur Al-Ghazal, il travaille à la mort. Il fait une déclaration que l'enfant n'a jamais été enregistré dans un casier. Ça, c'est les preuves palpables. Donc, le corps de mon fils a été vendu. Ils ont avancé une raison à la mort où il était indigent. Ça, c'est pas écrit par eux. C'est pas moi qui écrit. Ça, c'est pas moi. C'est la mort. Ils m'ont fait comprendre qu'il était indigent. Il n'était pas enregistré. Les preuves sont là. On attend le procès. Il n'y a pas de procès. L'enfant n'a pas de tombe. Le corps de l'enfant est devant nous. Regardez mon état. Est-ce qu'il y a justice? Et comment il y a justice détenu? Il n'y a pas une justice générale. Là, c'est la Mongala, non? Quand tout va rester. Mais, il faut lire Ecclésias 3, verset 1 à 8. Le monde, Dieu a créé le monde. Les nés sont comme ça. Montre-moi quelqu'un qui a un nez comme ça. Je demande justice. C'est Al-Ghazal qui avait fait ce document. J'ai vu mon fils au casier. Après, ouais, il était indigent. Regardez. Est-ce qu'il y a justice? C'est les jeunes. On n'est pas censé aller de surveiller les mouvements de l'enfant. La police arrive. Le 23 avril, Nanganda, poste policier à Poto-Poto. Le 25, quand j'arrive, le commissaire de Poto-Poto a joué le devant. Votre fils, on l'a battu à 3h du matin. Nous avons reçu les consignes de l'État pour tuer les couronnes. Il n'y a pas un souci. Mais la main courante de l'enfant, moi, non, la main courante, tu as mort à 23h. Moi, je n'ai pas vomi à 3h du matin. Un couruna, mais le début du corps, c'est à 23h. Je ne sais pas si moi, je suis congolais ou pas. Il n'y a pas de procès. C'est le commissaire qui me dit que le procès vous a raté. De Dieu à consigne, de hommes à ma couruna. Dieu merci. L'inspection générale de la police. Mes soutiens, chapeau. Vraiment merci beaucoup pour l'inspection générale de la police. Sur moi, j'attends justice. À cause de la gage justice. Et quand mon engagement justice, parce que moi, on a déjà tombé. Tu sais, les gars, non? Et tu m'en as fait. Et là, on a vu que, bah, moi, on a fait qui corps, moi, là. Il faut le dire. Il ne faut plus cacher, parce que moi, je dis ça, pourri. La couche déjà. Maintenant que les choses sont connues. Maintenant qu'un père de famille a publiquement accusé le dictateur Denis Sassou Nguesso d'être responsable d'un crime rituel de son fils,
Que peut-on faire? Dans une récente interview publique, l'opposant politique Mathias Nzon a publiquement, à son tour, accusé Denis Sassou Nguesso d'être responsable des enlèvements, des assassinats, des intimidations et des crimes rituels. L'explosion des violences politiques, montage de complots imaginaires, procès politiques, arrestations, emprisonnement et condamnation arbitraire des opposants pour délit d'opinion, filatures policières, écoutes téléphoniques, menaces de mort contre les opposants, empoisonnement, enlèvement, disparition forcée, crimes rituels. Le Congo est devenu une prison à ciel ouvert. Il appartient à chaque Congolais, à chaque patriote congolais, de prendre des décisions courageuses pour arrêter ce massacre à ciel ouvert. Denis Sassou Nguesso, qui considère le Congo comme un legs familial, n'est pas prêt de s'arrêter. Son pouvoir se nourrit des égrégores en versant du sang humain. Il n'est pas à son premier coup d'essai. La disparition des cadavres dans des morgues au Congo est très connue. Denis Sassou Nguesso est un criminel. Les gens qui me disent, écoutez, ne me dites pas là, quand nous faisons des distraire. Bon, nous t'avons fait très attention, tu as la famille au pays, tu as, nous sommes habitués, même si nous avons continué de famille, c'est à eux de voir, on s'en fout. Famille, mon gamin, famille, tête, mais mon foie. Donc, bah, il me fout d'abord dans le stade. Bagaba Niama. Les gens ont fait très attention de tout ce que tu dis. Tu as la famille au Congo-Brazzaville. C'est à cause de la peur qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à affronter des choses comme telles. C'est à cause de la peur. Vous avez peur de quoi? Mais nous, on a un beau maïki.